Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, il y a Canal Congo Télévision, auditeurs, 96.8 MHz Radio Liberté, Kinshasa, Tokutani, na déjeuner na bino, il y a chaque matin rendez-vous des auditeurs, émission na bino au peuple, émission où il y a Pessa Bino, facilité, Yakobenga, Yakopessa, Makanisa Bino, Yakopessa, Baïde na bino, na Makambozali Koleka, na Mboka, il y a Patrice Emery Lumumba, deux sujets au cœur, il y a Maso Nabiso, il y a Mokolo Alelo, Ndebo Silaki, Kosenga, Maxime, le Belabiso, Makambetali, desserte en électricité. Qu'est-ce qui se passe encore en République démocratique du Congo, particulièrement dans la capitale Kinshasa? On a eu un semblant. Il y a stabilité, il y a électricité. Est-ce qu'après cette révélation faite par le ministre, il y a ressources hydrauliques et électricité, la RDC n'exporte plus rien en termes d'électricité, fait qu'importer tous les pays du monde, Bayaka Rope Sabiso, courant, et puis conséquence, courant est commis mari de nuit, Baïmbo Kabalobi. Qu'est-ce qui se passe réellement à la SNEL? On va essayer de cogiter sur cette question. Corneille Nanga et ses complices devant la barre, procès public, et Banaki Mokolo à lobby, la présence, il y a ministre, il y a justice, il y a garde des Sceaux, Constant Mutamba, et puis ces procès se poursuivent, hein, déjà Mokolo. Il y a le Lokuna, la prison militaire, il y a Ndolo, place Makambozali Koleka, quel renseignement. Comment jugez-vous cette démarche avec Ponako Osambisa, ennemi, il y a Moka Nabiso Congo, cinq invités pour cogiter sur ces différentes questions. Tozali Nandeko Okarsil Mwimba, Oazali Moko, il y a IDPS Tshisekedi, d'une Okarsil Mwimba Motenayo. Moté le journaliste, Moté Nabalanguignon sur la Nabiso à travers le monde entier. Les aïe, c'est mon point d'abisso, tout y a, pour le verra. Moka Nabiso, le dernier Zali Koutambola, na maï Oyogundi, si tout le verra. Alors, je sais que ça sera un débat républicain. Un débat républicain, je ne sais pas ce qui, Bazali, tel père, telle mère, tout. C'est Joseph Mbenza, également de l'IDPS. Moté non, de Joseph Mbenza. Moté Ndego, merci. Merci pour l'invitation, je salue. Nous sommes dans le plateau Nabi, que ça fait longtemps. Merci. Mon auditeur Nayo, mon ingasuté. J'étais éprouvé, ayant l'occasion me donner pour remercier ceux qui m'ont soutenu. Il y a trois personnes que je vais mentionner. Il y en a trop. D'abord, le professeur Joseph Makolo, le patriarche. Merci pour votre soutien. Mon frère et ami président, il y a parti écolo, Chris Mukendi Kabemba. Qui est venu me rendre visite avec sa tendre épouse. Oui, on est des cœurs aussi avec le secrétaire général, ouais, Joseph Mbangi, et Jacob Mbangi. Jacob Mbangi, qui alors, vient de perdre sa sœur. Sans oublier. Vraiment de cœur avec toi, mon frère et ami Gauthier Sey. Ben, mon frère et ami Gauthier Sey, que je salue là où tu es. Merci pour votre soutien. Et puis, je présente mes condoléances à mon frère et ami Jacob Mbangi, secrétaire général à parti Écolo OESA, dirigé par Chris Mukendi Kabemba. Merci beaucoup, Ndeko Joe Mayele, cadre du parti politique Congo, mon héritage. Mbote Ndeko Ndeko Joe Mayele. Mbote Ndeko Maxime, Mbote Nawa Kongomani Bakota Labiso, Mbote na première institution du pays, Félix Antoine Tshisekedi, président ya Martin Fayulu, ya Joseph Kabila, Olive Lembe. Na et à Moïse Katumbi, pourquoi pas Mbotepe Nandeko Yvon Munda du Oise Rolanda Bisso, Oazali président et initiateur du parti politique Congo Mon Héritage. Pour finir, pourquoi pas couper sa peine Mbote Nao Nana Bengaka, monsieur Popoté Financière, l'inspecteur général des finances, monsieur Gilles Alinghetti, Oyo Adani Kosala, Moussala Naye, na dynamique. Oazali Koban Europe, ça y est Mbotete. Tu es Koban Europe, c'est Mbote pour l'ami. Couper sa Mbote Nalinghetti, Zali Soumoutin. C'est parmi les Congolais les plus sérieux de la République. C'est parmi les Congolais aujourd'hui qui offrent des répondants dans la population congolaise. Donc, pour nous plébisciter, Moussa Ndeko Lingué, Tazali Kosala, au regard, parce que
une minute, il y a un sujet isolé. Il fait un travail de tenance. Mm. Il s'en a un travail de qualité. Il faut voir parce que nous avons un travail de qualité. Les répondants seront toujours. Merci beaucoup. On n'ouvre pas les débats par rapport à ce qui est au niveau de l'inspection générale de finances dirigée par Gilles Alinghetti. Maître Toussaint Béa, cadre Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound, Mbote non de Toussaint Béa. Mbote, moi n'amboka Maxime, Maître Toussaint Béa, les combattants de la liberté, Azalipe Bongo, secrétaire national en charge des relations extérieures ainsi que des fédérations de l'extérieur. Là, c'est une précision. Secrétaire national, félicitations pour la promotion. Non, félicitations, on a les mêmes là. Parfois, tout le bel arrière parce que, tu as kako le bel amboka. Alors, j'en profite sur cette occasion. Il y a coupé sa makasi mingi na mon amboka président national, il y a Alliance pour le changement, à savoir le président Jean-Marc Kabound, Oazali Bongo otage personnel, il y a Ndeko Chilombo, il y a régime finissant, il y a régime de Pègle, tout pécié makasi, na mon amboka Beli Moutono, Oazali secrétaire général Nabisso, et pourquoi pas na ba militant, ba cadres et adhérents, il y a parti politique Alliance pour le changement, na ba ninga tokabol na bango. Merci beaucoup, et permettre Saint Béa, lui il a été l'homme de l'église. Au sein du village et donc de l'église au milieu du village, de Jean-Fidèle Boyo, délégué général de la société civile émergence du Congo. Mbote non de Jean-Fidèle Boyo. Mbote Ndeko Maxime, Mbote Pina Vandeko Vansu, Vazomina Bissou, Bissika au Poto Levela Ekolo, Mbote Mina Kolikana Vandeko Nangaya Nord Kivu, Bawazalendo Bitumbeza Kokoba Togolembate, Nabosete Kopesa Mbote na gouverneur Équateur, parce que vous dites confirmé. Le Gobolo Boloko. Comme gouverneur, il est gouverneur. Olinga était, maintenant c'est lui le gouverneur. Donc on ne peut que le soutenir et puis qu'on s'en aille améliorer les prestations. Et si Kézaki Mabel, le cas qui a signé la bonne, il n'y a pas d'intérêt, il y a province, il y a Équateur. On a beau santé, qu'on peut s'abandonner, qu'on peut s'abandonner, l'homme de l'église au sein du village, la vérité au sein du village, on peut s'abandonner, et puis Tokolobé la école. La vérité au sein du village, traditionnelle opération imminente. Je suis désolé, il y a chacun invité. On commence avec Ndokojo Maeli. En fait, Nabane Koloba, nous avons une logique qui a plébiscité parce que la fibre patriotique, il faudrait que vous la fibre, la souci, on a félicité pour bateau, pour que ça soit bien au profit de la République. Alors, parmi les Congolais qui font un travail bien et puis un travail sérieux, c'est retrouve un Congolais qui a été M. Pauvreté financière, l'homme qui est éloigné de la bonne gouvernance, mais de quoi la Linguette, au Toko, j'ai ma fleur. Oui, puis que toi, les alas qui sont très saturés au regard, la question de la Linguette, c'est chaque jour où la toile est saturée, ce qui est l'autre mon épisode cours de compte, l'autre mon épisode Kazadi, l'autre Roya. Pourquoi? Parce que, oui, ce qui est le cas, c'est donc, comme à 4h30, il y a la lumière. J'ai la lignée dans le roi lumière, la finance. J'ai la lignée dans le roi lumière. J'ai la lignée dans le roi lumière. J'ai la lignée dans 4h. Non, non, tu as dit ça. Tu as dit ça. Tu as dit ça. Tu as contrôlé. Non, en fait, tu as dit ça. Tu as dit ça. Boutou, boutou. Quand il fait 4h30, j'ai la lignée dans le roi lumière. Alors, quand ce qu'on a lumière, on a au monde, ce qu'on a cabalé là autour de la lignée. Donc, Gilles Alinghetti, Nicolas Kazadi, Token de Boedo. C'est tout un problème, c'est un dossier. Conséquemment, c'est quand on a toujours eu à tirer sur cette personne, mais jamais dans mon attribution à IGF, et c'est comme Gilles Alinghetti à Gérambo. Il n'a été jamais financé. Il n'a été jamais financé. Donc, tout ce qui se porte contre Gilles Alinghetti. Il y a un rôle ambivalent. Et dans mon cas, il y a un consultant auditeur. Exactement. Merci beaucoup. Toujours ko parti na biso comme mon héritage ou na mbé basika pour nous impulser tout jeune congolais ou bi ka dans l'âge de 18 ans pour faire la politique comme mon héritage. De quoi Yvon Munda diati ki de quoi ça ou tu na hydrocarbure, c'était encore qui c'est quoi carbure? C'est un pas Didier monsieur Didier. Didier Boudimou, c'est un pas quoi mais surtout ni abolo ba tu atika dio mindonga. Surtout ni merci beaucoup Ndeko Joseph Mbenza. Il y a 30 secondes, hein. Il y a une minute qui est non, c'est seulement pour le but de la matinée politique nationale. J'appartiens à Bissot UDPS. J'étais là présent, le secrétaire général Augustin Kabou. Il vient tirer. Augustin Kabou a démissionné. Président ad intérim, il y a UDPS. A démissionné.
a tenu la matinée politique pour nous recréer sa communication parce que le professeur Paul Chilumba, le premier vice-président de l'Assemblée nationale avec les autres députés et les sénateurs, Bazala qui n'a réunion et Bazo ça la bons office pour réconcilier toutes les parties. Ayangomoni, secrétaire général à Bengsaki base pour nous informer qu'il soutenait la démarche et qu'il a demandé à tout le monde de rentrer au Berkay et que Kimia et Kota et puis Bakangé les portes c'était non bah rumeur est tambolagi que non il aurait démissionné, ça c'est faux. Donc ça là on va raconter. Donc il reste le président intérimaire, il y a parti et puis secrétaire général. Donc il a appelé tout le monde. Une question qui divise, hein, le maintien ou pas de Augustin Kabuya. Non. Le problème est que Augustin Kabuya, jusqu'à preuve du contraire. Pour réconcilier des tendances, ça pose problème. Non, ça pose pas problème. Non, le chef de l'État. Non. Au moment où nous parlons, vous voyez que sous Bresso, mouvement a sauté parce que. Non, la réconciliation est en cours. C'est un parti. Famille, c'est un problème. Donc, tous les gens qui ont son apaisement, même dans les tireurs de l'île, tout le monde est quitté. Ah, il y a un tireur de Sylvain Moutombo. Il y a tiré quand on a. Donc, de Kiti, hein, pour dire que non, de Sylvain Moutombo, de Teni, de Cheko Béa, nous sommes tous une famille, de Manuel Djoko. Merci beaucoup, Ndeko Toussaint Béa. Ndeko Maxime na bandaki koloba boye ezali na bandeko na ngai oyo basili bongo ko zala éprouvé et particulièrement mon très cher frère maître Fall Mamba oyo pe abongisi ya ye grande sœur et j'en profite sur cette occasion de présenter mes condoléances à toute la famille. Vous donnez des cœurs avec Ndeko Fall Mamba, Jacob Mbangi, ainsi que à maître Jacob Mbangi également qui a perdu sa grande sœur, c'était hier, et nous compatissons avec nos frères. Et ici, la fois passée, quand j'étais ici, dans les gars qui Awawa, dans le plateau, j'avais parlé sur un fait, il y a le maire, il y a la commune de Kinshasa. Vous savez, la commune de Kinshasa, c'est une commune miroir. Il y a la ville de Kinshasa. Oh, ils allaient pour commune et général Kabaret. Commune, il y a beaucoup de belles. Beaucoup de ils énorme. Ceux qui t'ont dit qu'en termes, il y a salité. Monsieur le maire a posé la monsalati. Donc il est absent. Et ce n'est pas ici l'occasion de que le maire assis la cause bah communicateur des nouvelles unités en politique. Achabango pour que Baya Kolobelaye. Les nouvelles unités politiques. Oui, les nouvelles unités. Ah, c'est le droit de réponse à l'égard. Non, écoutez, le droit de réponse, ils allaient droit naïe. Après, c'est reconnu. Ça qui fait l'opinion par rapport à ils allaient reconnu un droit de réponse. Monsieur Bienvenu ne fait pas très bien son travail. C'était un incompétent. Azali incompétent. Pourquoi? Lorsqu'il dit que Ngaï Banda n'a côté la commune de Kinshasa, n'a soumis un tricycle. Mais est-ce un bourgmestre aux acco générer bah recette la commune nayo. Donc résultat nayo ils arrivent à moto à trois pneus. Gouvernement national va rétrocéder d'abord. Non mais c'est quand même Azali commune en Azali entité nayo Azali qui régénère bah recette. Azali on voit Azali les awana Azali bah magasin bah boutique belé wana. Mais ce monsieur doit être conséquent. Il fallait qu'il y ait une aya bah image à l'appui. Quoi va l'appui que n'est que journaliste. Tala bah loba kike bah pelouse oyo ngai na teki yango yo awa. Tala nini toloba ki lesusu na maimatali ba moteur ya ba ange tala yango awawa soit ezala kite na pesi lesusu devoir lesusu abengisa bino tire abengisa yo mpanzisa ngona ba kamera na yo abengisa moro nzambe bokene bo vérifier. Vous allez dire que ce monsieur c'est un incompétent. Merci beaucoup. Gère très mal cette commune et biso le la bas la commune de Kinshasa to lingé lesusu te. Ce monsieur doit présenter sa démission dès aujourd'hui. Oh, merci beaucoup Ndeko Toussaint Béa. Voilà l'homme de l'église au sein du village. Merci Ndeko Maxime. Nali ko pesa information pambate mardi le 30 juillet va professionnel administratif et santé ba ko kende pacifiquement ko déposer cahier de charges na bango d'autres termes to bien au mémorandum et pas ministre et à santé publique et hygiène et prévoyance sociale conformément à esprit à constitution en article 60 en article 93 et où ils ont reconnaître le ministre comme le responsable de son département
eh ben il y a seigneur qui a porté chaque jour un apport à qui ne complète bison ce pays mingangayon se passe pela qui pambate na investiture gouvernement bayoka qui premier ministre ndengenini a lobé la qui santé pour la rémunération à personnel la couverture santé universelle sans personnel et qu'on réussit donc le pilier de départ pour espérer produire les résultats et ça va personnel et santé donc ça vaut la peine qu'il soit motivé na bongo marti au Zalakuna pacifiquement pour nous exprimer message. Merci beaucoup l'homme de l'église Saint-Divilat, aussi c'est un de Karsil Mouimba. Merci beaucoup à nos journalistes. Nous avons un élan de prestige à Komo Nangaï, nous avons excellence Karsil Mouimba, nous avons communicateur et membre de l'UDFS au cadre de ce quoi. Nous avons une ministre dans la sujet à Rolobela, entreprise comme les Rabéin à Komo Nangaï. Agence congolaise des grands travaux, ACGT, Oyo, ils allaient dirigés par le directeur général Nikonzao. Donc Nikonzao, c'est parmi les deux personnes où ils allaient pour accompagner chef de l'État. Tout le monde avait ACGT, ACGT, des grands travaux. Grands travaux, tout le monde n'a pas ça, là, ils allaient rater. Parmi les deux personnes où ils allaient pour accompagner Mokondiambo, la réalisation, il y a Vision AE en ce qui concerne. Les infrastructures, Nikonzao est parmi les deux personnes de le chef de l'État. C'est ainsi que vous avez vu le lancement d'un très grand projet qui va relier de l'Est à l'Ouest avec le Rokat. Alors, là, les amis, ce que je vais dire, c'est qu'il y a un complot des gens au niveau du Haut Katanga, du Grand Katanga, c'est-à-dire la province du Lualaba et la province du Haut Katanga. Le gouvernement central géré par le biais du ministre ITPR bah, péage Kuna. Il s'est fait que Asali bah, Nini Asali comment on appelle ça Asali contrôle il y a gestion annuelle. Oui, oui. Asali a moi ici a constaté que bah, gestionnaire autorité provinciale Tchaki bah, géré Malamouté a décidé à récupérer gestion wana après ça on a ACGT. Justement, dans ma PCIANO, on a associé et le ministère et les autorités provinciales pour nous la commission OYO et pour permettre la mise en place de la nouvelle équipe. Et lorsque les députés. Oui, lorsque l'équipe Yassikawana, il a constaté qu'il y avait coulage des recettes. Et entre les mains de la CGT, l'ongoli batou OYO Bazalaki à l'origine, va trier batou malam ou bazoni si place ou non. Mais OYO Balongo, on est qui est vendre la Kimia. Bah, comme il faut diaboliser Nikonzao partout, oh non, il est amené et il a amené le membre de sa famille pour remplacer. Je rappelle que dans ACGT, Nikonzao, directeur général, Aza, ni na moi nanaï kuna, ni na bon frère, encore moins. On a une investigation. Non, je suis en train de vous dire la réalité. Alors, ces gens reçu leurs indemnités de sortie de 3 mois, ils doivent laisser ce monsieur faire calmement son travail en soutenant le président de la République. Merci beaucoup, Deko Karsil Mouimbila. Mouimbila. 082-33-33-749. Voilà le numéro. Vous avez connu M. Manda Kounabino pour participer en direct à cette émission. Rendez-vous des auditeurs. Tofongoli Debanabuso na. Ndeko Joseph Mbenza. Bayimbo Kabamonaki, ce qui est un semblant de stabilité. Il y a l'électricité dans différentes communes. Il y a la capitale Kinshasa, Bino. Ndeko Fabrice Lucinde, Azali Monsala, finalement, na Bakissé sur la carte 17, mais parce qu'il y a la carte courée, ils ont acquis. Finalement, après sortie, il y a ministre, il y a ressources hydrauliques, électricité. Courant ils allaient le sous-sauter de Joseph Mbenza dans le quartier d'Angaï. Matongé, courant ils allaient. Tout à l'heure, là, parfois, mon lit se courait et au kende 4 heures du matin. Tout à l'heure, le sous-sauter langage. Mari de nuit, femme de nuit, né au courant est commis. Qu'est-ce qui ne va pas vraiment dans Missala, la mission, la dirigeant la mission, notamment, il y a l'électricité avec le ministre Ouattine qui a révélé la mission qui est au-delà de la barrage, tout à l'heure, dans Angaï. Tu exporteras aussi sur courant de toi et baga de tangaga que tu pèses à courant à brasa de pèses à bah moi n'aime pas comment tu pèses à biso
est-ce que il y a un problème de gestion, bah réforme, les alliés, bah réforme, manque conjoncturelle, bah réforme, manque pérenne pour la stabilité, notamment l'électricité, dans beaucoup d'ambitions au courant, les alliés, l'un des acteurs, il y a moteur, il y a développement. Au président Ngamba-Obanda, moi j'aurais voulu entendre les autres pour répliquer, mais les autres vont répliquer à ce que je vais dire. Dans un alibi, ben là, tout le monde n'a pas tout. Voilà. Ça, c'était un peu programmé. Dans le cas qui, nous, on a la société civile assez. Pour détendre un peu. Alors, voilà un peu le problème. Là, je salue le ministre Teddy Luamba, parce qu'il a dit la vérité, parce qu'il s'est raconté des choses que Bissototekara courant. Son mais, idée. Mais il a dit que depuis Nazoya, depuis 1900, un petit cas technique, laissez-moi donner les éclairages. Parce que j'ai fait mes petites enquêtes. Hein. Oui, oui. Le ministre a dit depuis les années 80, tu as commis la situation Tililo. Parce que tu es baka que non, bisoto zalakinde bato tuando pesa le tiliki, ce que bisoto commis aux oies. Mais il y a des facteurs qui expliquent ça. D'abord, un, le facteur démographique, bato baba qui s'amébélé. Deuxièmement, boum. Monitor Laurent Désiré Kabilaye, à côté du pouvoir, tant de libéraliser le secteur, il y a mine, il s'est fait qu'il y a eu un boom minier et le besoin en électricité est quand même à casse. Ce qui fait que, selon une enquête, qui transporte à peu près 510 MW pour nous remettre vers le Grand Katanga pour servir les miniers. Alors, ce qui fait que mensonge au Bat Balobay que. Sinon, l'azote qui a 100 MW n'a pas miné à Lukuta parce que cette ligne n'a la capacité que de 510 MW. Il y a un monde qui a été miné. Alors, il y a une ligne qui quitte aussi de Inga vers Kinshasa, Zongo vers Kinshasa, Sanda vers Kinshasa, Congo-Brazzaville vers Kinshasa. Alors, le besoin d'électricité, rien que pour la ville province de Kinshasa, c'est 1200 MW. Il n'y a que 600 MW disponibles. Donc, ce qui fait que, ils ont un bateau à l'eau, un bateau. Le problème s'explique parce que pendant 50 ans, on n'a pas investi dans l'infrastructure. Pendant 50 ans. Pendant plus de 50 ans. Mais récemment, dans le régime, il y a Joseph Kabila, au bureau de l'Europe, c'est à courant. Il y a Braza, tout le monde qui ne cochadère. Au moment où il y a un courant, il y a Braza, il y a un problème. Il y a un problème de Kobochab. C'est-à-dire, le ministre dit depuis 1982-84, toujours, et tout ce qui est sous pétrole, il y a un courant. Il y a un gouvernement qui a commis 32 millions de dollars. Donc, j'explique aux Congolais. Alors, ce qui fait que le besoin de Kinshasa, avec la démographie, c'est 1200 MW, il n'y a que 600 MW qui sont disponibles. Maintenant, l'île de transport, pour la commémoration à Kinshasa, c'est aussi 510 MW. Mais il y a un problème qui se passe au niveau. Il y a Inga. Il y a Inga 1, Inga 2. Il y a un projet avec la Banque mondiale pour une extension à Inga 3. C'est là où se trouve la solution pour augmenter la capacité. Il y a besoin d'électricité. Mais ce qui fait que Inga 1, Inga 2, avec ma machine Tozanango, à tout moment, ils ont kataka. Il y a un moment, tant que la réhabilité qui groupe G24, G26, la G27, toujours qui, moi, courant pendant. Semblant, il y a stabilité non, à pouvoir. Non, c'est vrai. Moi, un mois. Courant qui stable la ville province à Kinshasa. C'était pratiquement un mois. Un mois. Oui. Mais et au sein des groupes encore au lâché qui sont en réparation actuellement selon mes enquêtes. Donc ce qui revient à dire, nous sommes encore en déficit. Parce que ton bâtiment à la courant, ce que ça 510, faut que non, ce qui groupe Mokwekati, c'est-à-dire Ekitaka. Donc c'est que le groupe Bazali Kosom Batoko Bongisao, Bazali Dépannage, approximatif. Non, dépannage approximatif, c'est parce que le gouvernement central. Par le biais de la SNEL, ils ont dépensé des millions de dollars pour remettre en service un groupe défectueux. Parce que c'est de grands travaux, parce que ce sont des experts internationaux qui sont en train de faire ça avec des ingénieurs de la SNEL. Mais, je peux s'en donner un exemple. La SNEL vient de réceptionner l'île Zongo de Kinsuka, qui a une capacité de 200 à 300 MW, qui va servir plus de 42 000 ménages, ce qui équivaut à 2 millions de personnes. Mais le travaux qui se font maintenant là, c'est le raccordement des cabines. Vous comprenez? Ça va servir beaucoup plus bateau bazana ouest. Vous comprenez? Pour la côte désengorger bateau il y a est. Parce qu'ici, tout le bela étendu à RDC, tout le bela à Kinshasa. Donc, ce qui revient à dire que
y a toujours cinq ans, monsieur le directeur général de la comité naé, bah qu'il y a un peu normalement le mbango pour que 300 mégawatts comme dans la Kinshuka, bah qu'on puisse servir, hein, bah tiens, il y a 11 mois, on a déjà ma cabine prépayée. Je crois que non, déjà, bah côté Kinshuka, même, dans mon déjà, bah côté limité. Ça, c'est un pas. Dans mon IP, sinon, la auto réceptionné bah câble à moyenne tension, n'a bah équipe à détection. Et puis, là, bah, matériel, monsieur, j'ai limité. Tout ça, c'est pour améliorer la qualité. Donc, ce qui revient à dire, ce n'est pas un problème structurel, mais je me rends compte que la SINEL, ce n'est pas aussi pour trouver des solutions structurelles. Donc, ce qui revient à dire... Ma solution structurelle, ma solution structurelle. C'est-à-dire, il faut donner la vraie information. Oui, oui. Besoin de 2200 MW aujourd'hui. Photo et bango de l'estage et aussi la ca la Kinshasa tant que ba qui ba autorité auto ba gouvernant ba on kokana ba on makamba ko te ba zobunda ya mona lobité tant ou lelo tobi que on a construit l'île Zongo de Kinshuka c'est 70 merci ça 10 secondes c'est 70 km il y a comme ma ligne place voilà et puis ba che station il y a Kinshuka. Donc, le gouvernement fait des efforts. Merci. Et pour bon cela, j'encourage le comité de gestion et à SNEL actuel d'aller encore plus loin pour que pour des solutions structurelles. Merci beaucoup, Ndeko Toussaint Béa. Ta lecture de fait. Bah, il m'a dit Beta qui m'a beaucoup. Courant et bongi. Marie de nuit à Kimi. Papa, Sambeli à Kimi. Mettez-moi le rôle là. Marie de nuit à Nazongi. Rapidement, qu'est-ce qui ne va pas au fait? Est-ce que tu rechanges comment tu rechanges le discours? Le bail des courants de son ananda ou de petit courant et non au loin à moussa la réponse à l'anda que le bail était maman courant zali anda ce courant zali te offre dans un point comment changer ces langages tout vivre que tout s'appelle barrage à inga 1 inga 2 inga 3 barrage à zongo n'équateur kuna soki bomba imongo mais qu'est ce qui ne va pas dans notre pays de go maxime courant comme membre des familles nabisso oza libando tuni papa za maman za courant pesa Kourezali, membre de famille. Bon, avant d'aborder la question, vous savez, il y a certaines choses concernant l'incompétent du gouverneur Yabobo. Qui passe. Tant que vous avez dit, le sujet isolé n'appelle pas un débat. Ça fait mal. Le sujet isolé n'appelle pas un débat. Ton côté, il appelle sa disposition constitutionnelle pour ça, ma Bobo. Voilà, prochainement. Oui, prochainement. Il y a le président Jigal Kaska Songo, le tout-puissant. Toukine, Oaza Kolanda, Bissot, Pessie Mbote, et si Kazali, et merci pour tout. Oebin de Konangaï, Mbenza, Azali, élite, c'est une intelligence. Ça fait beaucoup de temps que tu suis cadre Oyo, Yakoso, Lamaï, et Tali Mboka. Oui. L'IDPS, le lo Oye, la Kissi Bissoké, bah élite, bah Kozalate. Mais moi, je reconnais la valeur intrinsèque. Il y a élite, Moussous Bazali, nonobstant nos divergences, mais Mbenza, c'est une intelligence. Les lots où Mbenza a bondi, à la sectionnaire, il y a eu deux pèses. Nous avons fait le combat côté. À sectionnaire. Oui, oui. Au côté du père, le sphinx de Limité, nous connaissons les combats que ces messieurs ont menés. Mais les lots où il y a eu, quand on a vu ce Oyo, Moto va nommer Wana, directeur de cabinet. Est-ce qu'il y a l'équipe Mbenza dans la maille? Toi, l'équipe Mbenza dans la capacité? Mais après la ministre provinciale, il y a Kinshasa, même ministre national. Mais voilà l'IDPS. Et pour l'acceptation, un mauvais spectacle. On laisse un monsieur comme ça. Bon, il est temps. Plaider cause à Mbenza. Ces messieurs ne méritent pas d'être ministre. Ceux qui ont été ministres ont été, au commis mandataire, ont été, comme ça, héritier Ouattara, ont appelé ce visa. Ok, n'est pas tout. Héritier Ouattara, oui. Ah, vous m'avez porté parole, héritier. Tu es porté parole, tu es ministre, on va voir comment il m'appelle Toubac au Kinshasa. Ah, d'accord. 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 Mais le coup là, il s'agit de l'incompétent ou de l'incompétence inouïe de M. Lucinde et Tukuzu.
Bangonde Bazali à l'auteur, il y a Maïnos Tokomuna Lelo en complicité même avec les présidents Chilombo. Parce que le président Chilombo, nous l'avons donné la signature, nous l'avons donné les moyens de l'État. Aujourd'hui, Barouko bah, s'est plaindre. Vous savez, lorsque barrage ya Inga et Tongamaki, Ezalaki na 54 turbines. Alors, ce n'est que deux où Ezala exploité si Namo Yalelo. Par manque d'entretien, par l'incompétence, comme j'ai dit, il nous... Yabanda va régime sur Banda. Banda va régime Nyos. C'est un droit. Est-ce que faudra-t-il commencer à pleurnicher en ce qui concerne le droit légitime? C'est d'autant plus que le barrage est allé. Le barrage est allé. Lelo Kabila Banda qui est katien de Oyoyo. Ne kochiseke de alaka ki bato yo bande konabiso ya ba bandundu le ba vous savez que kakobola excusez-moi kakobola oui que le lo awa soko za na kikwit kouke za la raté pendant autant des années kouke za la raté na ville province de Kinshasa courant ezali une partie donc yango nde kombenza kuta souligner yango ba ménage ezali au delà mais le courant tous ali satisfait en dessert électrique. À mon humble avis, je pense que Lucinde Tukuzu, Lucinde doit démissionner de ses fonctions pour incompétence. Au moment qu'il y a autant de Kangisana, mais après qu'on fonde des conabus au prince Kinana. Mon frère, laisse-moi le temps d'aborder le sujet. L'État congolais aussi ne paye pas ses dettes. Tout à fait, les institutions, notamment l'Assemblée nationale, à foutre la facture, on a été. À foutre à rater. Primature, la présidence, l'institution, tout ce qui va avec. À foutre à la facture. Ça aussi à la gestion. Ça impacte, bien sûr, mais étant donné qu'il y a des incompétents à la tête de la SNEL, Nekoulousine, ou Azali incapable de couper sa bakongomane. Avec Teddy Luamba, ministre énergie, on paye au Teddy Luamba, quelque chose. Teddy Luamba, encore une. Bon, Teddy Luamba, c'est quelqu'un. Oh, moi, il n'est pas de l'IDPS, hein, Benzaebi. Mais il a dénoncé. A dénoncé Bandeko Bakosa là-bas, abus concernant l'électricité, qui est un patrimoine commun, il y a Bissonioso. Le problème, c'est que Ndeko Tokobenga Lucinde, a outé Kokangsa Ndeko Prince Kinana pour des révélations faites à son égard. Mais vous allez comprendre que Ndeko Wana, ce qui Tokotali gestion naye, il a été d'abord. Ça pose énormément de problèmes. Il a été interpellé au niveau de l'Assemblée nationale. Par quelle magie, par quel miracle, par quel bâton magique, où Ndeko Wana, si la Kozonga n'a pas fonctionné. Merci beaucoup. Vous allez comprendre que Ndeko Lucinde, à l'immédiat, il doit démissionner. Merci beaucoup, Ndeko. Est-ce qu'on peut arriver à changer des narratifs de Marambo Italie vraiment courant? Ndeko Maxi, merci beaucoup. Je pense que ils ont la thèse, mon côté, on a eu qui a étoboli un peu ma toi. Thèse, il y a exporter l'électricité. C'est une thèse où on ne peut pas couper la moine à Congo. Pourquoi? Parce qu'il faut partir du constat. Le Congo est allé les lots à 13% il y a potentiel, il y a hydroélectrique. L'Afrique est allé premier. Oui. Potentiellement, le Congo ne peut pas. Potentiellement, le Congo ne peut pas exporter l'électricité. Surtout comme la dimension exportation et électricité, il faut faire un constat. Je pense qu'il y a des gens aujourd'hui, Nenge Bandeko, ils tirent sur le DG de la SNEL, mais moi je ne tire pas vraiment sur le DG de la SNEL. Il faut, Barbie, la sociologie, par rapport à traiter un fait social, il faut aller des causes à effet. Nego Kabila fait 18 ans. Kabila est déjà parti. S'il vous plaît, on peut exclure Kabila de la gestion. Kabila, il est dans les oubliés. C'est là, Kabila, mon frère. La pêche sur encore. Naomi, s'il vous plaît. Kabila avait 18 ans. Il faut se poser la question. Dans 18 ans, Kabila, quel était le constat au niveau énergétique?
Parce que ce que tu as dit constat au niveau énergétique, il y a de Kabila, il n'y avait rien de grave. Tu sais qu'il dit lorsqu'il arrive au pouvoir. Blanc, bonnet blanc. Tu sais qu'il dit quand il arrive au pouvoir. Oui. Il a trouvé un pays. Blanc, bonnet blanc. Té, Yoka. A trouvé un pays dans la dimension. Même il est le héros, vous avez le Yoka. S'il vous plaît. Mais moi je pense que domaine électricité, ce qu'il fallait aux alana ba jalon posé, ba jalon il fallait aux alana époque il y a ndeko na biso Kabila, ndeko Tshisekedi dit aya kusili ça. Mais aujourd'hui ce que tu as dit ba jalon. Tellement Kabila posé. Félix papa, c'est au cours du deuxième mandat que le président Tshisekedi dit comment ça poser les jalons. Parce que quand j'ai Mboka, ils étaient aux soignants, surtout aux Sangisa. Non, Baba n'a phase par phase. Au regard, il y a architecture, il y a Mboka. Il fallait commencer par les diagnostics. Il y a un peu exemple. Vous avez que ce que je suis courant, en 1960, dans le courant, il y a les deux années remontées. Pourquoi ? Il y a l'aspect démographique. Oui, on ne considère qu'on évoque. Aspect démographique. Sauf que, par exemple, dans le quartier, le roi, Babandal, Babarombo. Sauf que, il y a des gens qui ont été en train de se structurer dans les deux années remontées. Tous les gens qui ont été lotissement, ils ont été en train de se faire. Il faudrait qu'on électrifie. Oui. Alors, ce sont des éléments de taille. Ils ont ça que les lots. Courant na biso to courant na ville porte de Kinshasa ou bien na na RDC et à la courant moro déjà à Sénité. Ce que je dis, baline, il y a courant utilisé. Ce sont les mêmes trajectoires que le colon Antika. Nous, on ne construit pas. Pourquoi on ne construit pas? Parce que le constat n'a pas été fait. Parce que Parce que le constat n'a pas été fait. Le constat n'a pas été fait par qui? Aujourd'hui, les lots, au bin de Kotiseke. Actuellement, le constat est fait, c'est pour cela que le constat est fait. Oui, le constat est fait. Malgré qu'il y a courant, le constat est fait. Tant que le constat est salé, il va dégager les grandes orientations. Les grandes orientations pour améliorer la chose. Ils allaient dégager déjà? Oui, ils allaient dégager. Pourquoi ils allaient dégager? L'amélioration de la comité. Non! Pourquoi ils allaient dégager? N'est-ce que le Romo? On a gestion à Mboka dans la deux parties. Tous en la partie, il y a répondant. Tous en la partie, il y a méthodologie. Peuple parti à méthodologie à mon arrêté. À mon arrêt parti à répondant. Sans pourtant qu'on ait la partie à méthodologie. Or, ça ne passe pas. Attends, les gens de Toussaint, a commis DG à SNEL. Attends, a commis maire à Kinshasa. Au Rosaran a des parties. Bissope, je ne serais pas comme bienvenu. Non, je vous donne un exemple. Je vous dis que vous ne serez pas comme bienvenu, mais il arriverait des moments où, pour arriver à des résultats, il faut passer par les deux parties. Je ne parle pas de ta personne. Tu parles de moi, je dis quand vous prenez votre président, M. Kaboun, Aroye Bisayou, avec le savoir qu'il a, très bien. Il vous dira que. Il y a parti, il y a méthodologie. La partie répondant. Lui, il a été de l'église au sein du village. Jean-Fidèle Boyo, les Kamaloutiniki. Le 22 juillet, ça y est, le lundi passé, nous n'avons pas vu ce qui est pompage aux Akoya, au communaré Soukami. Nous avons vu ce qui est embouteillage. Nous avons vu ce qui Liboma, et vrai Liboma. Oui. Abandi ko kombola nzela. Atiki mikumba na zo kombola nzela po mituka eleka. Et puis, à Zui, espace Seigneur sur Ariwana, à Zako ça l'entretien na yango. Et puis, et rappelez-vous, il y a un
Et tant qu'on a commis un an, na quoi tu l'as vu qu'on a libéré un an, oh ils qui m'a mouqué un an, on a fait signer. Parce que na moni mosalo aza ko sala wana il appelé nga na conscience. Oui oui. Mais tant qu'on aza ko ya, je me suis rendu compte que mon talibon aza ko bongi sanzela. Oyo bato ya soit disant bato ya mayele ba détourne mbongo na yango et puis baza ko leka baza ko bongisa te baza ko bebisa te. Je me suis posé la question ye na ba oyo ba détourne mbongo nani pinaza vrai motaliboma. Alors j'ai compris que pays na biso toza vraiment na ba fou destructeur de la nation. Le fou destructeur, oui. C'est le terme que j'ai eu à comprendre dans l'analyse. Le fou destructeur. Le fou destructeur de la nation. Bambo anande, ce qui a eu place, a eu espace, a eu beaucoup, a eu si kambong et zali. Eh bien, bon, à salut à l'ingaza. N'a pas dit un sujet de Kanda, mais à l'objet ma kambamala, mon penda. Mais après, c'est un élément. Il y a une enquête, oh, bah, là, qu'est-ce que il y a un problème. Mais moi, n'a pas dit que. Yango eza cause te oya tangane za ba facteur oyo eza kotinda mais cause na biso eza me gestion ya service wana. Comment expliquer bato mosuto mona ona quartier to benga bango ba je ya snel mais c'est un journaliste n'est même pas reconnu. C'est ça la cause. Oui, c'est-à-dire que mes gestions, l'homme, mon cher, la cause des animaux, ceux qui avec une fête directe, ceux qui gèrent directement, c'est la mégestion. Oui, c'est la mégestion qui est à la base de ça. La mégestion, mais je peux te parler. Toi, tu parles de Tshisekedi, maman, je ne te parle pas de Tshisekedi, je te parle depuis mon frère a relevé l'année. Ce qu'on a dit depuis Banou est arrivé, je lui dis, il a fait une étude très bien. Mais ce qu'on a dit en haut, alors tu m'as dit que Penga va passer un bon, on va débattre tout là, non? Il est déjà, c'est ça des Congolais. Azala Tshisekediste ou pas, c'est un Congolais. Sauf lorsqu'il fait du mal, il faut le dire. Il faut donc, pas dire le mal. Il se pose un problème de gestion. Ce qui te commis depuis les années Penga jusqu'à aujourd'hui, vous n'allez pas me contredire que c'est la mégestion qui est à la base de ça. N'a pas ce élément simple de ça. La démographie, elle est partout au monde, la démographie, en Chine, il y a la démographie. Mais ils n'ont pas le courant. Est-ce que nous avons la potentialité ou tout Koloba? Mais il faut transformer les matières à la manière. Qui doit transformer ça? C'est le gestionnaire. Si le gestionnaire est incompétent, vous estimez produire quoi? Non plus. C'est-à-dire qu'il faut dire les choses comme il faut. Oui. Les facteurs de démographie et comme ça la terre, problème pour que vous soyez à courant. Non. Parce qu'il faut projeter dans les pays où les cerveaux ne sont pas projetés. Il faut projeter. Aujourd'hui, nous avons autant. L'homme n'a pas autant. L'homme qui tient, c'est que ça la combien. Avec tout le monde. Nous avons le vécu, mais tout le monde veut avoir le vécu. Est-ce que dans 5 ans, nous aurons combien de vécu? Il faut penser à ça. Ça, c'est l'homme qui gère. C'est la gestion de ce système qui nous rend un problème. Merci beaucoup. Et l'élan, dernier ministre Amiso a dénoncé, il a parlé, mais c'est Yokaka, Toyokaka, au moins lui, il a eu le courage politique de dire ce que les politiciens ne voulaient pas le dire. Merci beaucoup, Ndeko Jean-Fidèle. C'est le problème. Bon, c'est pas la démographie qui est à la base, c'est pas la constitution à la base, c'est la gestion. La méchanceté, c'est qui est le problème. Merci beaucoup, Jean-Fidèle Bouyo, Ndeko Karsil, Wimbila, aussi le Kouka, Baïmboka. Il y a tous par rapport à ma communauté, le Tili, qui parce qu'il y a différentes communes. Maman, le Tili, qui allait se poser vraiment avec acuité. Merci beaucoup, Ndeko journaliste. Mais il y a un mot à répondre à mon tour. Nous avons maître Benza pour la website que. Tolanda qui lobby, M. Augustin Kabouya, comme d'habitude dans ses incantations, bien ça qui va attraper. Ses incantations. Pour la web, ça va ce qu'il avait à l'air dire. Alors, le problème qui est là, nous soutenons aussi la démarche il y a honorable Jean-Claude Chilumbay, mais dans ces démarches, nous attendons de lui juste l'organisation d'une passation pacifique du pouvoir entre le secrétaire honoraire Augustin Kabouya et celui qui va faire l'intérim, monsieur Roger Mukendi, même qui est actuel, qui
actuellement engagent le parti. Conformément, il y a bah, statut. Ça, c'est ce que nous nous attendons de, ce que Jean-Claude Chilomètre est en train de faire. On a rébellion. Il n'y a pas de rébellion. À l'UDP, c'est la base qui décide. Et quand la base a décidé pour que Félix Tshisekedi retire sa signature à Genève, la base était félicitée. Quand la même base a décidé que Kaboun devait partir, la base n'était pas la même base. Il n'y a pas question de division. Il y a question de réalité. Nous avons, exposé notre position. Alors, de notre côté, nous avons aussi pas écouté le secrétaire général honoraire, mais nous avons écouté Jean-Claude Chilomètre. Voilà, parce que nous attendons de lui l'organisation pacifique. Du pacifique. Likamolotsiliki, courant au Nambo Kanabiso Lelo, je dois d'abord commencer par féliciter. Ministre Oyo ayeko yebisa biso makambu Oyo ebanda koloboma kaka na ba téléphone sécurisé entre les politiciens véreux et lui a pris maintenant le courage jacobima koyebisa biso peuple congolais que boye baguette depuis 1980 si le Oyo makambu biso tu chaka na mutu même les gens qui sont morts un jour avant le makambwana ne savent pas que la RDC n'exporte plus le courant plutôt importe le courant, avec le potentiel hydraulique que nous possédons. Ça, c'est un. De deux, actuellement, la desserte en énergie électrique, c'est vrai, est très problématique, mais ce qui est bon, c'est qu'après dénonciation, le gouvernement a pris en main la dénonciation, parce qu'il faut des moyens. Et le gouvernement est en train de travailler pour mettre des moyens conséquents à sa disposition. Comment voulez-vous prendre une cure médicale sans que vous n'êtes malade, vous n'étiez malade. C'est-à-dire, il faut être malade et se manifester. Vous voyez, malade, après vous venez colocatif. C'est ça ce que je dis. Malade, c'est malade et mon anniversaire, Bimi. Le gouvernement travaille d'arrache-pied pour nous remédier le problème. Ça, c'est un. De deux, nous sommes pendant la saison sèche. Et pendant la saison sèche, Maï Kitaka. Tu as vu la réalité ou on a bisognance. Je vous dis la réalité. Donc, au lieu de le ça cause de fois des problèmes dans le fonctionnement. Il y a ma machine. Mais de toute façon, j'essaie, je répète encore ce que j'ai dit. Le gouvernement, à travers ce ministre, il y a ressources hydrauliques et énergie, fait de mieux pour que la population. Azongela, Douanaye, Yaruzala, Nalotiliki, et nous, nous l'encourageons dans ces démarches. Donc, le narratif est rechangé. Et rechangé, justement, lorsque tout sera mis en place, voilà. Et incessamment, tout va changer. Population aux au courant, parce que je sais qu'il y a des gens qui en majorité, la population. Vous avez des radio. La radio, oui, je sais, c'est ce que il y a Bandalou, moi, qui tambo, il y a Matete. La radio, faut y a courant, ça c'est vrai. Mais, toujours, il y a continuez à faire confiance à ce gouvernement parce que c'est un gouvernement qui est venu pour travailler, trouvant beaucoup merci d'urgence beaucoup à se mettre au travail. Merci le Mouibila 080-233-33-749. Donc vous avez mal au Banabino, dans ma deuxième point, Nabiso, il y a Mokolo Yalelo. Nani a confirmé la loboko de quoi Joseph to bomba na mbeza to bomba mbeza donc tout ça Béa, qu'est-ce qu'on peut tirer en fait na ouverture et ça les médias mourent la lobby il y a procès contre Corneille Nanga Ouazali ennemi congolais ancien président à Séné à ses pays d'Azamandoki à Bouma Bandekonae et complice Bazali au nombre il y a 25. Est-ce que le lot t'a tiré Nini? Parce que Bazali qu'on reprochait Bango n'a pas activité terroriste, crime de guerre. Oh Bazali quoi pour Mamane Kona Bango? De quoi Maxime, je constate que IDP c'est au pouvoir, IDP c'est à l'opposition. Et mon ami ici, de l'IDP, il tire l'autre de l'IDP. Donc comprenez comment les partis au pouvoir est en train de faire. Non, c'est Malembe, Malembe. Malembe, Nego Toussembe. Vous avez trois minutes. Voilà les talibinos. Vous avez trois minutes. Voilà mon abino. Oui, oui. Vous avez trois minutes. Mon abino. Mon abino. Rapidement. Benza, je pense bien qu'il va recadrer mon mot lobby. Vous avez trois minutes. Et puis, surtout, t'as l'abino, t'as observé. Nous avons trois minutes, mon frère. En fait, problème, il y a Nego Corneille. En tout cas, je me réserve
beaucoup, il y a recommandé sur Yango. Et vous savez, l'État reste l'État, la force reste à l'État, à la loi. Si aujourd'hui on estime que Ndeko Corneille Nanga doit être interpellé, doit être condamné, pourquoi pas? Parce que moi, je le qualifie comme un traître à long terme même de ceux qui ont détourné les deniers publics de l'État. Bah on a fait un traître, l'État. Et c'est un procès à la paix équitable. Et à la paix équitable. Il y a un peu de temps à l'État. Le destructeur de la nation. Mais cause des morts, oh, les lots, C'est pareil. Nous ne voulons pas voir des spectacles. Nous ne voulons pas voir un ministre populiste, un ministre Oyakosala, un ministre Oyo Azali n'a envie à quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Je ne voudrais pas utiliser les mots forts. Solution à tel problème, au bout d'un moment, vous allez décrire. Une formule, mais au bout d'un moment, vous ne comprenez pas que Constant Mutamba est en train de faire du populisme. Voulez-vous dire que quelqu'un au Yamba na Awawa, yolobi 500 mètres, au Azali Mutuya, Azali musulman, à Sombilupang on a eu musulman, au côté après 4 parcelles, ce sont des chrétiens, à Sombilupang on a eu Tongi, au lobi Kebango, Sengeliba Kabwana, basa na 500. Ça c'est quel raisonnement ça? Donc en lieu et place, L'église de Tozali na Ango, l'église Azali ko bota le roi ba champignon, c'est tout à fait normal. Mais où est le mal? Ce n'est pas ça les problèmes. Le problème n'est pas ça. Il est en train de se perdre pour rien. La réforme est déjà S'il vous plaît, Ndeko journaliste, attends-moi. Qui nous a invité sur un spectacle dérisoire autre comme on a quand abatté la bétanoïque. Le procès Corneille Nanga azana Congo, azana territoire congolais. Il suffit de mettre le moyen pour Kangaï, Kouyanaï, pour Sambisaï en kilote, en cinglé, dans le stade des martyrs. D'autant dit plein tout le monde. Parce que c'est un traître. Alors, terre même là, détourneur, Nicolas Kazadi, détournement, la Banque Centrale, plus de 27 millions de dollars. C'est gravissime ça. Donc, concours, il y a détournement. C'est cinglé pour Kangabango. Mais ce qui n'est pas Alexis Constant Mutamba, il va échouer. Merci beaucoup. On a dit que ma mission, ma pasteur. Je suis un lévite. Je suis un homme de Dieu. Vous êtes un gablo, non? Je suis un homme de Dieu. Merci beaucoup. Neko Joseph Benza, qu'est-ce qu'on peut tirer justement d'un procès où ils allaient ouvert contre Corneille Nanga et complice? On a Obanda Corneille Nanga et puis je me rabats sur mon frère du parti. Trois minutes, vous allez. Bon, d'abord, mon frère Toussaint, Oezo Salana, il ne faut pas qu'on néglige en gros, parce que ça peut ouvrir la voie à deux choses. À des poursuites, même au niveau international, même une Interpol peut se saisir. Parce qu'il faut commencer par le pays, faire un procès, même condamné par contumace, même jugé par défaut. Ça ouvre la voie pour qu'il soit appréhendé même la justice internationale en vue d'une plainte. Et que Interpol peut se saisir de lui. Et puis, il ne faut pas oublier dans ce procès, il y a un certain Eric, qui est très proche collaborateur, qui a été arrêté au Bakriaka, cette bêtise de Nairobi. Donc, il faut laisser ce procès. Je crois que M. Constant Mutamba, par ses gestes, a signé quelque chose d'énorme qu'il faut encourager, mais je suis pas d'accord avec lui par rapport au problème des églises, parce que à Okokangote c'est compliqué, mais je suis d'accord avec lui par rapport, il y a un document de l'église, très compliqué, donc terrain là côté Mingite. Donc je crois que j'ai répondu à la question. Quand je suis venu sur le plateau, je n'aime pas être avec deux membres de même parti, et ça a bien été. Parce que là, nous sommes en contradiction, ça donne une très mauvaise image du parti. Et mon frère, s'il avait compris ma communication, il n'allait pas dire ça. Et je suis déçu dans la communication politique, même la sociologie politique. Mon cher, tu as fauté. Tu as tapé à côté. Moi, je n'ai pas tiré l'autre camp. Mais j'ai appelé tous ces camps à l'unisson. Mais vous autorisez. Si tu veux un débat, IDP, je suis prêt.
Mais ici, je ne peux pas étaler ce que tu viens de faire. C'est une erreur en politique, c'est une faute. Tout ça, même famille, il y a des problèmes. Moi, je protège la maison. Mais non, c'est ça la politique. Ouais. Et non, non, vous avez divisé même je, non, 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 non. Non, 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 non. Nous soutenons votre division. Non, non, non. C'est une Dieu te tient mal à l'aise. Parce que ici, je ne peux pas monter parce que c'est mon frère du parti. Oui, oui. Mais je voulais seulement dire à mon frère, il faut pas faire ça. C'est pas bon. Moi, j'ai appelé tout le monde à l'apaisement. Vous comprenez? Donc, maintenant, dossier Sinel, je rejoins mon frère. 30 secondes. 10 secondes, non, non, non. Je voulais seulement apaiser mon frère, hein. Ouais, tout éviter ça. Tout ça, la plateau télé. Parce que l'unité, tout soit la bison balai. Hein, qui t'a ôté. D'ailleurs, moi, à côté, la bison. La SNEL, c'est parmi Batoubaï Baraté. La SNEL, c'est parmi les entreprises qui entrent dans la catégorie, il y a d'entreprises stratégiques. Qui est même suivie par les services de sécurité. J'informe tout directeur général, même pas seulement le SINDE. Tout directeur général au Alekaranga a ça la rapport journalier. Un, Namukonzamboka n'a pas service. Deuxième de choses, l'État congolais doit 180 millions de dollars de dettes à la SNEL. Troisièmement, la SNEL, moi je le dis. Moi depuis des années, hein. Moi je le dis. Moi je le dis. Il y a un peu de l'utilité. Non, c'est la question de l'utilité. Moi j'ai parlé des problèmes structurels et des solutions structurelles. Il faut saluer que pendant Félix Tshisekedi, Kabila, on le salue, il a construit Zongo 2 avec le contrat sino congolais. Mais il n'y avait pas de ligne de transport, vous comprenez? Et on a construit une ligne de 70 km. Et on a construit station, il y a courant, on a pas pour conserver 42 000 ménages. Ça, il faut louer. Aujourd'hui, à l'Unité, on est en train d'aller petit à petit dans l'Unité industrielle, tu vois? Même dans Okatanga, la SNEL est en train de faire des efforts partout. Merci, donc, il sait peu, mais c'est déjà quelque chose. Merci beaucoup. L'homme de l'église au sein du village, comment, qu'est-ce qu'on peut tirer justement de ces procès ouverts contre Corneille Nangaa et complices? Merci beaucoup. Par rapport à, j'allais peut-être compléter moi l'élément, mon cousin qui a un dossier à SNEL. Nous ne pouvons pas parler du développement sans l'énergie. C'est faux et archi faux. Oui, oui. Si nous disons, nous prétendons développer le pays sans énergie, nous ne voyons pas comment est-ce que l'entreprise ou l'investissement en a éco-développé. Oui, oui. C'est très important que tout s'occupe dans le dossier et à SNEL. Et le problème de SNEL, la gestion du SNEL, ce n'est pas seulement le comité qui est là. Nous avons besoin de montrer que l'État, la structure de l'État, va se foutre en bon côté. Et qui sont là? Alors, tant qu'on a besoin de développer, on se voit dans le cadre, parce que mes gestions n'est autre qu'une gestion inappropriée. C'est ça, mes gestions inefficaces. Et on a qu'à ta gestion, il y a des branchements, il y a des éléments, c'est tout un système la gestion. Quand on a alors on ne veut pas essayer pour parler de ça, sinon on va entrer dans la théorie. Corneille Nangaa. Oui. Moi, dans ma perception de Comaximo, c'est déjà fait. C'est une réalité. Nangaa est parmi les rebelles. Mais j'ai fait une analyse depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Par rapport à ma qualité, à ma rébellion, au de connaître. Ma rébellion, non, sur Alibosso, les cas qui se sont des rébellions politiques. Mais rébellion à Nangaa est une rébellion économique. C'est la forme de rébellion qui change. Tout ça, la mutation de rébellion. C'est ce que nous devons réfléchir. Donc, tu n'as pas rébellion politique pour accéder exactement au pouvoir. Mais maintenant, on reverse à la rébellion économique. On n'a pas besoin du pouvoir, mais on veut devenir riche. Nous devons dire la vérité au peuple. Lui devons dire la vérité au peuple. Tout le cas qui a été démontré par la guise de trahison. Parmi les traîtres, vous trouvez par exemple les généraux. Mais si un général a été l'ingiambongo, il peut faire la rébellion économique et c'est plutôt facile. C'est comme ça qu'aujourd'hui, poursuite c'est bon, mais c'est pas mieux. Vous voyez, poursuite judiciaire c'est bon, parce que les faits sont là, mais c'est pas mieux. Ce qui est mieux, c'est de prévenir les rébellions. Parce que nous avons fait une mutation. Et cette mutation va susciter exactement ce que Tali Mingi, acteur politique aujourd'hui, va comme on a un minerai, carré minier, carré minier. Même ces bambons, ce sont les politiciens qui sont dans carré minier.
Il fallait qui tout ça, mais il y avait le carré minier. Mais je vous dis, quand tout ça, mais encore ma ministre, et bien il fait carré minier. Donc, tout ça, mutation, il y a pensée, il y a rébellion, et il faut prendre des dispositions plus préventives. Qu'est-ce qu'il faut faire pour décourager les gens de ne pas trouver la rébellion comme moyen pour devenir milliardaire ou millionnaire? C'est pas bon. Alors, maintenant. J'avais tenté l'autre fois là, il y a Kolobilango, mais nous sommes en train de travailler avec nos juristes. Comment prévenir et nous passer ici pour donner une proposition concrète? Parce qu'on n'est pas ici seulement pour critiquer, oui. Mais il faut aussi proposer, réveiller à ceux qui gèrent. Oui, mais on s'est dit que moi je suis pas opposant, je suis élu au sein du village, la vérité au sein du village. Voilà l'opposant, mais le fils de Farouche et Radical. Farouche, mais le fils est aussi de pouvoir. Non. Maintenant, je pense que Maxime, nous devons réfléchir sur comment prévenir les rébellions. Oui. Parce que nous avons fait déjà une mutation de forme des rébellions. On attend cette réflexion. Je pense que Benz ne va pas me contredire parce qu'il est déçu. Il n'est pas déçu de mon intervention. Espérons que Benz a un carré minité. Ah, à votre tour. Calaté, c'est la promotion comme ministre. Voilà, de Maïe, qu'est-ce qu'on peut tirer justement à procès contre Carnet Nanga et complice. Merci, ce n'est pas une expression de Kouabimisi, mais je vais donner plus de coloration à Nenga Lobéli. Mais j'arrive d'abord chez Maître Toussaint pour Naïbissaye, Lokomoko. Lorsque, pour lui, pour Naïe, il interdit ou il dit que Oyundeko, Moutambaza, pour ça, les apopulismes, rentrons dans la science. Dans les fonctions d'un État, l'État dans la dimension est belée. À cause de gendarme, à cause de la providence, à cause de la dimension au bas, on va y barater. Et l'État n'a plus patron. La dimension à patron, ça signifie quoi? Il organise et il oriente la société. Ce qu'on a dimension, on a que Ndekomutamba à intervenir. Parce que l'État, c'est une personne abstraite qui se voit que par les autorités. Alors, dans la dimension où il est patron, où il faut orienter, coordonner et organiser la société, M. Moutamba intervient. Donc on trouve la substance, il y a action, il y a Moutamba, il y a action, il y a État patron. Le Razané populiste était. Razané populiste était. Nekotamo lobby le Romoko par rapport à Maï Nengekita. Oui, oui. Je pense que c'était. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Non, je dis ceci, on comprend un gars. Par rapport à Maï Kita. Oui. Je pense que ce que Tanguy, même géographe, il vous dira que même surtout qu'une école primaire, les débits à fleuve Congo, ils ont un débit régulier. Le fleuve Congo est parmi les rares pays, et parmi les rares fleuves plutôt, au débit d'avant, ils ont régulier. Donc, problème, il y a Kokitamaï, il n'y a pas vraiment une ramification directe de l'électricité. Oui, oui. Donc, Wana, il faudrait l'exclure. Mais, Neko Tangualobi Makamouyaba cause, je pense que dans les causes, ce sont les anomalies ou les maladies qui causent une défaillance. Quand je parle de la démographie, ou quand je parle y a quartier Nengetonga et Tonga Misika, ce sont des éléments où et ça là, ou quand je parle y a ma trajectoire, y a courant la mission Nengezalaka, baline na Nengezalaka colonie, ce sont des éléments où et ça là que l'élo tous à la défaillance électricité. Mais par exemple, quand on parle de combien. Kimina, notre cas, Alors, il a l'avantage au Bagisela, la ministre. Je vais me rabattre rapidement sur Makambouya rébellion. Ndekotanga lobby, rébellion, il change de trajectoire. Non, moi, je ne pense pas qu'il change de trajectoire. Ça, la même trajectoire, mais la coloration. Coloration, il y a ma rébellion, il y a ma rébellion politique. À des fins économiques. Et ça, on aura le même système. Parce que ce côté, prenons les débits à l'indépendance et à la République démocratique du Congo. Lorsque tu as eu l'indépendance, les sécessions, c'était une forme de rébellion, mais avec des colorations économiques. Parce que sont au Tangi, et si tu as rébellion, c'est les maquets, c'est une zone très stratégique. Aujourd'hui, Katanga, avec Moïse Kiombe, aujourd'hui, Kassa avec Kalonji, ce sont des zones économiques. Même Moïse Laurent Désiré Kabila. Il a eu une coloration politique, mais avec des fins économiques. Merci beaucoup. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, il faudrait qu'Obandako applique des sanctions à la République démocratique du Congo. Bissotoza, partisan Oyo.
y a réforme dans notre parti, il y a réforme, il y a l'État congolais. Pourquoi? Parce que chaque État ou chaque Merci beaucoup, Ndeko Kassil Mbouya. Merci beaucoup, Ndeko Kassil Mbouya. Malembe, Ndeko Kassil Mbouya. Tout ce qui est par rapport à ces procès contre Corneille Nanga et complices, qu'est-ce qu'on peut tirer justement comme enseignement dans la procès? Ndeko journaliste, il y a un colloque que d'abord, procès a ébandi en retard. Et c'est ce ben oui, mmh. qui a fait que Kobanalangon a retard et occasionné Henri Magi, Yannick Tissot, ainsi de suite, courage à Kolanda. Parce que ce qui procède avant, et que ces gens-là, les auteurs qui ont commencé cette histoire, étaient condamnés. Et sur place, ceux qui sont en train d'être entendus sur place, exécutés avec la peine de mort. Moi, je ne vois pas Henri Magi voir quelqu'un être exécuté ici, à Kinshasa, pour trahison, et c'est donner le luxe à Olanda Kornena. Oui. Alors, ce qui procède, Banaki avant, et les gens qui est empêché par Ramsous. Et pour l'instant, le rôle de la procédure est bandit. Je sais que même Baro, il y a un projet, dans notre région de Renang, lorsqu'ils vont voir l'exécution sommaire, il y a un auteur et un complice qui va sur place, ils vont changer vraiment d'agenda. Alors, nous encourageons ce procès, toujours l'Andango. De près. De plus près même, tu as dit que Namibo Kombo Kanabiso, trahison, peine Nango Ezali, peine capitale. Mm. Et puis nous attendons, parce que exécution et peine capitale, on a posé problème. Et Zalaka, mais on a exécuté en côté. Mais cette fois-ci, nous attendons voir de nos propres yeux comment on va commencer d'abord avec l'échantillon. On nous parle des généraux traîtres, on nous parle de la trahison chaque jour ici. Et quand on parle d'une trahison des généraux traîtres, c'est-à-dire il y a déjà un travail qui est fait en amont, qui a détecté que tel général ou tel autre est un traître, et les lots, donc ceux qui pas juillet, aïebi déjà sortent. Donc cet exemple-là, il y a qu'au condamner dans le barreau, basé sur place, qu'au exécuter barreau, et qu'au changer la c'est l'image déjà ne va. Oui, justement, voilà, c'est-à-dire que non, ceux qui n'ont mis qui n'a anglais, sortent là, yangoan. Et puis, pour terminer, moi j'encourage le ministre et ce qu'il est en train de faire pour que tout va bien à Robanga, qu'au soit mécanicien à l'olignon. Voilà, tout tangi rapidement, message ya Imboka, tout bonjour de Maxime, c'est Thierry Namoyi bia Mbongo ya ba dirigeant awa na Corneille Nanga bango nyonso esengi basamba basambisa bango en public le détourneur et Corneille Nanga. Bonjour de Maxime, maître Toussaint semble être compétent en théorie. Mais il se réverse de la condamnation des Nanga et sa bande. C'est triste. Les grands criminels du monde se cachent dans des églises, surtout l'église catholique avec leur pratique de deux fois, deux fois. Ah. Nous saluons le courage de Constant Mutamba qui ne baisse pas les bras. C'est la jeunesse consciente, nous sommes derrière lui. Un militant de l'Église. Alors, Landou, depuis la commune de Bumbo. Ah, de Gogelor Landou. Bonjour Ndeko Maxime, ministre de la Justice Akende Mosika Yako Botola, ba bien nyo sur Ananga, ba retiré nationalité congolaise na bananae, ba oyo, ba liaki mongo ya batupo na ko longola CG Kabuya, maire CG Bazongisa, mongo ya batu. Papa Matondo depuis la commune de Mongafula. Bonjour Ndeko Maxime, biso na maman Mobutu, une semaine déjà. Mayezo Bimate, Toyebite, Tokosuka Wapi, Fontaine Longangé, depuis la commune de Mongafula. Bonjour Ndeko Maxime, Kinshasa na courant na Mai, Nyonso Ezabiente, Bisona Cité, Mamboutou, c'est Nyonso, Chulumba, depuis Cité Mamboutou, Bada Cité Mamboutou, courant na Mai, Ezalité. Attends ma campagne. Bonjour Ndeko Maxime, l'union pour la la démagogie Benga et la pauvreté sociale, IDPS. Est un parti politique qui balle Joseph Mbenzaïta Mouyombe ne bénéficiera de rien dans ces partis. Serge Timbalanga, depuis Mbujimaï. Joseph Mbenzaïta Mouyombe. Bonjour Ndeko, Mbiso Awa, la plaza, na quartier Canada, dans Sélé, Toza menacé na ba soldat ya Kengo, soi-disant, et à terre ya Kengo. Ndeko Bolobela, nanobiso s'il te plaît. Ah, na quartier Canada, Simone Plaza na Sele.
Ils ont dit terre, il y a Kengo. Kengo, Wabi. Kengo, c'est Kengo, ça. Lui-même, la ministre des Sanctions. Bonjour, Ndeko Maxime. Le pays disparaît du jour au lendemain. Ici, à Tchango, aucune route qui est en bon état. Des tracasseries, des policiers, comme pas possible. Ndeko Marc Makwisa qui dénonce condition à Vikuna, Nakatia Tchango. Bonjour, Ndeko Maxime. Voilà un régime qui est incapable de remplir sa mission et se déverse sur des théâtres qu'il est habitué de nous offrir. Corneille Nanga est sur le territoire congolais et n'est pas en cavale. Donc, comme ce régime est incapable, qu'il démissionne, car à la période des Kabila, je vis Tanganda Bosco, Germain Kandanga, Thomas Lubanga ont été arrêtés. L'argent du courant est retourné, c'est ça la cause. Roi David, depuis Ngaliema, bonjour de Komaxim, Tuna Batouana, il y a eu des PS Mboka, locaux la Chine. Baza plus d'un milliard d'habitants, mais comment courant est stable Kuna? Donc Bisso ils ont des problèmes, il y a volonté parce que détournement et l'équi au lieu de travailler de Kwasili comment voilà, c'était là moment, il y a téléspectateurs, auditeurs, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs à Canal Congo Télévision, Radio Liberté Kinshasa, rendez-vous des auditeurs. L'unique émission Nzambe à Fongola ka TV nae na ba Angelou bazali ko landa ceux qui rendez-vous ici à Kangi TV nae parce que loko ya kota là ils ala kali sous souté j'espère vous sepeli na ba réflexion puis ba raisonnement analyse pointue de nos invités de ce matin, une émission qui a été réalisée par Ndeko Christian Banjolo, Alain Kabongo, José Andia bazali kina web, Georges Libengue et Ndeko Marité et Godo n'a prise de vue. Ndeko Junior Kassanda à la radio. Tokouté n'a pas de demain pour le dernier numéro de votre émission Rendez-vous du Tour. Tokouté Boumbate. Votre Kali Malamou. Hôtel Hilton. Hôtel Hilton. Mais là, il y a une thématique.